qui commence. On laisse Liberty, toujours un maraoual face à la mer. Et on a décidé qu'on allait aller se balader au bord de l'eau. L'endroit est très très agréable. On s'est déjà un peu baladé hier soir et ce matin. Mais là, ce coup-ci, on y va tous ensemble, tous les cinq. Et puis on va vous montrer ça parce que c'est vraiment un bel endroit. Ah ouais, mais les pieds dans l'eau. Arrivé ici sur toute la côte de la Riviera Maya, c'est les algues qui arrivent, qui sont de plus en plus présentes et qui sont en train de tuer le tourisme ici parce que les gens s'attendent à voir une mer turquoise et ils mettent des filets pour essayer de les arrêter, mais ça les arrête pas, donc ouais, c'est assez grave. Et c'est par rapport à je sais plus trop quel pays qui a le Brésil qui a jeté de la merde dans la mer en fait et qui a fait décoller plein d'algues dans tout l'océan. Et tout est en train d'arriver ici sur toute la côte de la Riviera Maya. Je sais pas comment ils vont faire, mais c'est de pire en pire chaque année. Et c'est en train de tuer le tourisme. On voit, il y a plein de trucs qui sont vides et tout. Pourtant, c'est magnifique, mais bah, les algues, ça gâche un peu tout le paysage, quoi. Et surtout, si on peut pas aller se baigner dans la mer. Il y a quelques endroits où on peut encore. Mais à mon avis, si ça continue, s'ils font rien et qu'ils arrivent à rien faire, dans 2-3 ans, ça sera brun partout. Guess that I should say. But I'm content de voir une boule.
en fait ils voient moins souvent des poules que des tortues, donc ils sont plus impressionnés par la poule. Letting go of all my heavy load. I waited for the moment to unfold. Nobody's gonna make me feel I'm going down. Petite balade finie, il est 16h25, on s'en va faire des micro-courses. Alors en fait on a bêtement pas pensé à recharger suffisamment avant de partir. Donc du coup là on a trouvé, en fait c'est un peu le bout de nowhere Marawal. Donc là on a trouvé un mini super, mais quand vous allez voir la tranche du super, en tout cas de ce que j'en ai vu sur Google, je suis pas certaine où on trouve tous les fruits et les légumes dont on rêve. Donc on va voir ça, je crois que c'est la surprise. Après, on pourrait être agréablement surpris, hein. C'est tout à fait possible aussi. Allez, on y va. Ça y est, on vient d'arriver, mais j'ai un gros doute sur le fait qu'on trouve tout ce dont on a besoin. Ça se confirme, on va bien voir, mais on croise les doigts. Guess that I should say, but I am done. Yeah, I'm done. Letting go of all my heavy load. Bon, bah finalement, on a trouvé beaucoup plus que ce que j'espérais. Agréable surprise, vraiment trop contente. On a de quoi se refaire des crêpes, faire des tartes aux pommes, on a acheté plein de fruits, plein de légumes. Je m'y attendais pas, mais c'est vraiment... c'est top. Donc du coup, il est 16h49, donc 16h51, puisqu'on a 2 minutes de retard ici, dans la voiture. Et ben, à 17h, c'est l'heure des douches, donc du coup, les petits loups vont aller se baigner. Et puis pendant ce temps, bah du coup, moi j'ai commencé à préparer le repas. Et puis peut-être bien faire un dessert pour ce soir. Ça y est, la journée se termine déjà, ça passe à une vitesse grand V. C'était une super journée, du coup on s'est dit que ce soir on allait se faire une soirée crêpe. Donc là je viens d'allumer les poêles. J'ai fait les crêpes. Soupe. Au thermo. Et puis comme ça, ce sera la surprise pour les petits loups demain, ils en auront au petit déj. Ça va être cool, ils adorent ça. Puis en plus c'est la recette bretonne de Manon. Donc ça, c'est des vraies crêpes. Elles sont super bonnes. Manon en a fait l'autre jour. Donc là je me suis dit, allez, ce coup-ci c'est moi qui l'ai fait.